C'est parti. Allez, 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 allez. Le truc qui brille bien de mille feux. OMG, what the fuck, le Titanic de baiser. Dans la dernière vidéo, il y avait 3 exclusifs à gagner parmi tous ceux disponibles. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, les gars, il y a tout ça à gagner. C'est même pas une blague, regardez tout ce qu'il y a. Non, c'est une dinguerie. Et par contre, si vous ne voulez pas gagner un caca arc-en-ciel, oubliez pas de me dire quel pets vous voulez. Parce que si vous me dites je participe, blablabla, et bah je vous enverrai des caca arc-en-ciel. Donc n'hésitez pas à me dire parmi tout ça, celui que vous avez envie de recevoir. Est-ce que vous voulez un chat avec un chapeau? Est-ce que vous voulez un joker, une licorne, un petit truc galactique? Peu importe, pour participer. C'est très simple, vous me dites votre pseudo, lequel vous voulez, et puis c'est aussi simple que ça. Dans la dernière vidéo, il y avait 1 milliard d'exclusifs à gagner, et aujourd'hui on va parmi tous les commentaires tirer les vainqueurs. C'est parti pour le premier vainqueur, on met l'URL et Coco la pizza en or et n'importe lequel s'il te plaît. Et bien malheureusement pour toi, comme tu n'as pas choisi d'exclusif, je vais t'envoyer un caca arc-en-ciel. Du coup c'est parti pour lui envoyer un petit caca arc-en-ciel. Hop, alors, où est-ce que c'est? Juste là. Ah, je peux pas en envoyer qu'un seul, c'est dommage. Dommage, il fallait choisir. Eh oui les mecs, je vous avais prévenu. Vous avez prévenu. Hop, caca envoyé. Et je vous avais prévenu, si vous choisissez pas, je vous enverrai un caca arc-en-ciel. C'est parti pour le deuxième vainqueur et attention, Yaiko. J'ai participé au pseudo Yaiko, il était trop bien le live 24h. Et bah merci beaucoup BG, mais malheureusement tu n'as pas dit le pet que tu voulais. Donc comme l'autre monsieur, je vais t'envoyer un caca arc-en-ciel. Et ouais les mecs, vous avez prévenu, vous avez prévenu. GG pour les caca, il fallait choisir. Et ouais les mecs, je vous avais prévenu, je vous avais prévenu. Bon bah c'est parti pour tirer au sort le troisième vainqueur. C'est parti pour le troisième vainqueur et attention, Olien tu. Je participe, je veux le chat, mon pseudo Olien Pro. Ah, enfin quelqu'un qui a compris. Merci. Il a dit lequel il voulait, c'est magnifique. Du coup, c'est parti pour lui envoyer son petit chat. Hop, on met son pseudo. Et donc, c'est parti pour lui envoyer le petit chat qu'il a demandé. Gros GG à toi. Hop, envoyé, oui, tadam. Cadeau envoyé. Yo les gars, c'est Nsio, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Roblox. Et n'hésitez pas, aujourd'hui on rush les 2 226 967 pouces bleus. C'est le mec qui abuse. Du coup les gars, aujourd'hui dans cette vidéo, on va découvrir la nouvelle mise à jour. Alors, le problème, c'est que je l'ai déjà faite en live. N'hésitez pas à la regarder sur Twitch, ma rediffusion, j'ai fait un live 24h où j'ai joué à plein de jeux différents. Et justement, dans le live, on a joué à Pet Simulator. On a découvert la mise à jour en live. Du coup, ben, je l'ai déjà découverte, mais c'est pas grave, parce qu'on va la redécouvrir ensemble. Et ça, c'est incroyable. Du coup, aujourd'hui, on va faire semblant qu'on l'a jamais découverte et qu'on découvre la première fois. Mais c'est pas grave. Ok, let's go. Skip. En plus, on est avec tout le monde là, regardez. Il y a tout le monde sur le serveur. Alors, du coup, c'est parti. Déjà, qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a plein de petits pets qui sont incroyables. Pour moi, j'aurais bien aimé qu'ils mettent le requin en Titanic. Il aurait été beaucoup plus beau. Mais après, ce qui est cool, c'est qu'il peut fly le nouveau dragon. Donc, c'est plutôt cool. D'ailleurs, attendez. On va faire l'intro de la vidéo juste là. Hop, regardez. OMG, what the fuck, le Titanic de baiser. Voilà. Ça, c'est pour l'intro. Au moins, les vrais, vous êtes là et vous savez. Du coup, le Forever Pack, je l'ai acheté un petit peu. C'est pas ouf en vrai. Je vous conseille pas. Toutes les mises à jour, ils mettent un nouveau Forever Pack, les gars. On n'en peut plus. Tout le temps, ils veulent notre argent. Mais apparemment, je crois que c'est maintenant limité à 2400 Robux au lieu de 8000. À la fin, donc c'est plutôt cool, mais bon. Ici, on a les nouveaux œufs, toujours qu'on peut pigeonner à 32 000, mais bon, malheureusement, on est pauvre. Et ici, on a les nouveaux pets. Alors, le requin, c'est mon préféré. En plus, il est pas trop rare, donc je vais voir ce qu'on va faire. Et lui, on peut voler avec, donc c'est vraiment trop bien. Ici, on a quoi d'autre? On a ça. Et d'ailleurs, ça, il y a un abonné qui me l'a offert, les gars. C'est une dinguerie. Regardez, il est juste là. Supérieur chess mimic, c'est vraiment une dinguerie. Si tu passes par là, Malone, t'es vraiment le boss, t'es vraiment le goat. Du coup, ça veut dire que là, dans la boutique, il me manque juste la voiture. Mec, un jour, je vais la voir. Je m'en fous, les gars, un jour, je l'aurai. Du coup, voilà pour la petite boutique. Et donc, maintenant, la nouveauté, c'est juste là. Le Hacker World, juste ici. C'est parti, on y va directement. Boum. Je me demande bien ce qu'il va y avoir dans cette zone, dis donc. Wesh, wesh, what? Oh, OMG, j'étais dans la Matrix. Du coup, ici, on a la zone principale, tout autour, avec plein de petits diamants et tout. Wesh, carrément, je l'ai one shot. Attendez, oh, OMG. Les gars, j'ai une technique. J'ai une technique. Regardez. Je mets mes pets juste là. Hop. Je mets le truc comme ça. Et là, ça va farmer en max. Alors, du coup, ce qu'on va faire déjà, on va désactiver les items parce que c'est un peu chiant. Alors, du coup, on reprend. Quand on arrive ici, on a plein de choses à regarder. Déjà, on a les jolies zones de quête. Mais ça, c'est comme d'habitude. On a ici un coffre qu'on va voir en dernier en fait, parce que c'est plus intéressant. Ici, on a le Void, le petit canon pour aller au Void. Logique, très très intéressant. On a le Hacker Keys, donc ça, ça se drop un peu partout. C'est plutôt cool. Ici, on a le premier œuf avec un petit cochon et un petit, une sorte de panthère grise en mode hacker. On va en acheter quelques-uns pour voir. Voilà à quoi ressemblent les œufs. Plutôt cool, mais bon, pas trop d'efforts. Et les petits pets.
Bon, c'est pas la dinguerie de l'année, quoi. Et ici, on a le hacker chest. On va en ouvrir une pour voir ce qu'on a. Et dommage, on n'a rien. Et du coup, bah, vous avez ici l'axolot. Il y en a quand même 6000 dans le monde, en golden 2000 et en rainbow 500. Ça veut dire qu'il est vraiment facile à avoir. Et je crois que vous avez aussi un petit livre. On va attendre un peu que ça spawn. Mais je crois qu'il y a un livre de fou. Un livre de fou, 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 fi, fou, fou. Il est où? Oh, déjà, il y a l'overboard, 3 millions. Incroyable, il est vraiment stylé. Et ici, attention dans la dernière page, regardez-moi ça. Le hacker key hunter. Incroyable. Du coup, voilà. Maintenant, on va aller dans les zones. C'est parti. Hop, ici, on a la première zone. Et dans cette zone, vous avez littéralement que dalle, malheureusement. Il n'y a vraiment rien. À part un petit œuf avec un dragon et un singe en mode hacker, comme tout à l'heure. Les œufs, ils sont même plus verts, il n'y a aucun effort. Et ils ressemblent à ça. Bon, pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Ensuite, on continue avec la zone d'après, juste ici. Et là, vous avez des free potions, c'est carré, avec un petit œuf. Mais par contre, l'œuf, les gars, là, c'est encore pire que d'habitude. Cet œuf-là, les gars, il est dans le monde technologique. Ils ont vraiment juste volé le même œuf, frère. C'est aucun effort. Du coup, voilà à quoi ça ressemble. C'est les mêmes œufs que dans le Tech World. Et quand tu l'ouvres après, voilà ce que t'as. Un corgi et un petit ours en mode hacker, mais sans les lunettes. Du coup, cette zone, elle est vraiment pas ouf. C'est la pire, je pense. Ici, on a un petit luck. Je crois que celui-là, il vaut genre 15 millions ou 25 millions. C'est très, très, très cher. Mais bon, moi, les gars, je les prends tous et je vous conseille de faire pareil. Et du coup, ici, on a la petite zone avec un petit œuf. On va l'ouvrir. Voilà à quoi il ressemble. Il est un peu moche. Avec un axolote et un petit chat. Très sympa, très sympa. On arrive directement dans la dernière zone. Déjà, c'est super rapide. Ici, on a un petit distributeur avec 5 items qu'on peut acheter. Et le distributeur, il pète un câble à chaque fois. Et ici, on a un joli petit œuf. On va l'ouvrir directement pour voir ce qu'on a. Et ouais, que des ordinateurs. Que des ordinateurs. Parce que le reste est assez rare. Maintenant, les gars, ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer toutes les reliques qui existent. Et donc, la première relique, c'est derrière le coffre, juste là. Vous avez la première relique du monde technologique. Vous voyez qu'il y en a que 4. Donc, vraiment, ça va être très simple parce qu'il n'y a que 4 reliques. Et donc, on va les faire tout de suite ensemble. Et du coup, la deuxième relique, elle est directement ici. Donc, entre l'œuf et l'équilé, la petite zone rose comme ceci. Et derrière le coffre Free Potion, vous allez bien à droite, juste là. Et elle est juste ici. Hop, on clique dessus. Magnifique. On continue avec la prochaine. Alors la prochaine, elle est vraiment très simple. C'est dans cette zone, donc à côté du void et des clés. Hop, on rentre dedans. Derrière l'œuf qui est juste ici. Vous allez derrière, juste là. Et il y a la petite relique. Hop, magnifique. Congratulations, shiny odds, magnifique. Et la dernière. Et la dernière, elle est bah, dans la dernière zone, juste là. Donc entre le void canon et le hacker chest. Vous allez directement là. Hop. Et vous voyez, directement entre les deux piliers de droite, elle est juste ici. Tadam! Et comme ça, vous avez les 4 nouvelles reliques. Maintenant qu'on a vu toutes les reliques, on va voir les zones secrètes. Et les zones secrètes, les gars, elles sont juste là. La première, elle est dans l'angle ici. La deuxième, elle est dans l'autre angle, juste là. La troisième, elle est évidemment dans encore l'autre angle, juste là. Et la dernière, évidemment, où est-ce qu'elle est? Dans l'autre angle, juste là. Donc voilà les 4 pièces secrètes du Hacker World. Et pour y aller, malheureusement, on ne sait pas encore. Je me suis bien renseigné, j'ai regardé sur Twitter, etc. Et j'ai vu aucune personne réussir à aller dans les zones secrètes. Et regardez, il y a des murs invisibles partout. Donc regardez, on peut essayer de sauter et de voler, etc. Même avec des Titanics. J'ai demandé à Emilien qui a un Titanic et il m'a dit qu'on pouvait pas, les gars. Donc malheureusement, c'est un peu dommage. Regardez, même si je veux passer par là et tout, c'est impossible. Du coup, je pense qu'il va y avoir des secrets à faire. Et donc, je suis pressé de voir comment ça marche. Ok, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller dans la Trading Plaza. On va aller dans la Trading Plaza pour s'acheter un petit œuf tous ensemble. Et on va l'ouvrir pour voir si on a une dinguerie. Allez, c'est parti. Hop, là, les gars, faut mettre un max de pouces bleus parce que je fais ça juste pour vous. Bon, pas celui-là, parce que celui-là, il coûte 200 millions, donc c'est un peu cher, mais... Du coup, c'est parti. On va dans la Trading Plaza. Oh, il vaut 16 milliards, lui, pas mal. On va dans les œufs et on va directement chercher le nouvel œuf. Alors je vais essayer de trouver un vendeur qui le vend pas trop cher. Parce que comme il vient de sortir l'œuf, bah il est un peu cher donc c'est un peu triste. Donc je vais essayer d'en trouver un pas trop trop cher. Et puis on espère avoir un petit huge ou un Titanic. Bon déjà un huge je serais content déjà. Mais c'est vrai qu'un Titanic ça serait une dinguerie. Bon lui il abuse, 42 millions, ça dégage. Hop, on va rechercher un autre. Let's go baby. Allez, surtout que les gars il faut que j'économise mes gemmes pour la prochaine vidéo avec 1 milliard de gemmes. C'est une dinguerie. Attention... 37 millions, bon, un peu beaucoup, ultra méga cher. Attends, mais à côté, il y a un mec qui en vendait, j'ai pas vu. 40 millions, non, mais toujours plus. Ils savent pas doser, les gens. Ouais, j'ai une poule qui se balade là-bas. Ouais, je suis la dinguerie. Ok, on continue de chercher, on n'abandonne pas. Il y aura forcément un mec qui va le vendre 30 et quelques, j'espère. Allez, allez. Ok, 37 millions,
trop cher. On continue. Un jour, on va trouver, vous inquiétez même pas. 35 millions. Pouah, on va pas l'acheter. Je suis sûr qu'on va réussir à trouver des œufs moins chers. Parce que là, c'est trop, mec. Moi, je veux 30 millions. Allez, 32 à la limite, 33. Mais là, 37, ils abusent. 40, wesh. Toujours plus, toujours plus. Trop cher, trop cher. On va continuer. Ok, 39,5. Trop cher, trop trop cher. Nouvelle recherche. 37, trop cher. Je crois bien qu'on va jamais trouver. 37 encore. Les gens, ils savent pas doser. 32 millions. Oh, let's go. Enfin, les gars, je vous avais dit quoi? Il faut persévérer et vous trouverez des offres pas chères. Ok. Bon, j'ai même pas assez pour en acheter deux. Sinon, j'en aurais acheté deux, je pense. D'ailleurs, on a, hop, la daycare à récupérer. On n'a rien eu, malheureusement. Mais si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, vous savez que je l'ai déjà. Donc, c'est très cool. Hop, magnifique. Parce que j'ai déjà le huge. Et du coup, c'est parti, les gars, pour s'ouvrir un exclusif Blazing Egg. Attends, j'ai failli oublier le plus important. Hop, les petits enchants, petite potion. On va mettre laquelle? On va mettre celle-là. Et c'est parti. Let's go. Bonne chance. C'est parti. Allez, 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 allez. Le truc qui brille bien de mille feux. Ouais, 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 trop bien, dis donc. Trop bien. Bah, RIP. RIP. Je viens de perdre, tout. Je viens de perdre toutes mes gemmes pour ce pet claqué, là. Après, on a eu le meilleur, en vrai, donc c'est pas si grave. Il vaut 5,7 millions. Donc, en vrai, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Bon, bah, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était une vidéo vraiment découverte. Et je suis un peu fatigué avec le live 24h. Donc on va reprendre les grosses vidéos dès samedi. Bisous bisous, bisous bisous, bisous bisous, bisous bisous, bisous bisous.